La pratique du kata artistique nécessite de l'endurance, de la souplesse, de la tonicité, de la détente, de l'agilité, de la rapidité et enfin de la créativité. Anthony propose plusieurs types d'exercices permettant d'acquérir les qualités requises. Grâce au footing, vous serez plus endurant. Les étirements vous assoupliront. Un renforcement musculaire général et des jambes en particulier augmentera votre tonicité et votre détente. La répétition des enchaînements basiques vous rendra plus agile et plus rapide. Enfin, en ce qui concerne la créativité, pour vos katas personnels, fiez-vous à votre imagination et n'hésitez pas à oser. La première phase de la préparation au kata artistique est une phase d'étirement musculaire et ligamentaire. Anthony échauffe et étire chaque partie de son corps. Chacun des exercices présentés doit être exécuté en série avec un minimum de 10 répétitions en évitant les à-coups. Anthony enchaîne par quelques exercices de stretching statique afin de préparer ses jambes aux futures techniques de coups de pied. Il est important de varier les angles d'étirement. Peux-tu nous parler de la pliométrie ? La pliométrie regroupe une série d'exercices visant à renforcer les membres inférieurs pour augmenter votre détente et votre puissance. Il existe différents exercices, comme des séries de sauts ou des squats pour travailler l'explosivité. Ainsi, vous pouvez sauter plus haut et frapper plus fort. Le premier exercice de pliométrie proposé par Anthony est un exercice de montée et descente dynamique d'escalier. Il propose plusieurs variantes afin de solliciter les muscles de différentes manières. L'exercice de frappe lors de la montée d'escalier est très efficace pour développer la puissance des coups de pied. Le travail principal est localisé au niveau de la jambe d'appui. Voilà pourquoi Anthony place sa jambe de frappe sur une marche haute. Cet exercice peut s'effectuer avec différents coups de pied, comme ici le roundhouse kick. L'exercice suivant est une succession de petits sauts pieds joints, allant de gauche à droite. Il permet de renforcer le gainage et les muscles abdominaux obliques.
La dernière variante est une succession de sauts pieds joints avec une plus grande amplitude. Anthony démontre maintenant des exercices de pliométrie fréquemment utilisés en échauffement. Il démarre en position de pompe et se rétablit rapidement afin d'enchaîner par un saut en extension. Cet exercice permet de développer la tonicité musculaire dans toutes les parties du corps, autant les membres inférieurs que supérieurs. Le même exercice peut s'effectuer avec une extension des jambes lors du saut, ce qui complique considérablement son exécution. Le positionnement du buste doit être parfaitement droit afin de pouvoir enchaîner correctement. Cet exercice est également un bon entraînement pour le split kick. L'exercice suivant est également une succession de sauts, cette fois-ci précédée d'une légère course d'élan. L'appui s'effectue alternativement sur chaque jambe. Dans cet exercice, Anthony modifie le travail des squats et l'adapte en version dynamique. À partir de la position du cavalier, il effectue un léger saut en extension, les mains derrière la nuque. À présent, Anthony montre le travail des mollets. Pieds joints, les mains sur les hanches, on effectuera une nouvelle fois des sauts sur place, mais cette fois-ci, l'impulsion et la réception se feront sur la pointe des pieds afin de garder une contraction continue du mollet. Il faut veiller à garder les pointes tendues lors de l'élévation. Le même exercice peut s'effectuer en fente avant. Toujours sur le même modèle, la dernière variante se fera avec un changement d'appui lors de l'élévation. Anthony démontre maintenant des enchaînements de coups de poing de base en série. Il varie la fréquence des frappes et enchaîne des séries de 2 puis 3 coups de poing. Il est important de répéter ce genre d'exercice afin d'améliorer la qualité des enchaînements de techniques de base. «
L'enchaînement suivant s'effectue avec un changement de position sur place. Enfin, Anthony modifie l'enchaînement en y ajoutant une frappe circulaire de la jambe avant. Il est important de maîtriser chaque étape de ce type d'enchaînement et donc de ne pas se précipiter. Anthony démontre maintenant la technique du spin avant. Une rotation avant dans un déplacement suivi d'une frappe directe. C'est un enchaînement typique du kata artistic handstyle. L'enchaînement suivant est une série de techniques de blocage et de frappes proches d'un travail traditionnel. Pensez à intégrer ce type de technique dans vos enchaînements artistiques afin de leur donner plus de crédibilité. Enfin, Anthony ajoute le spin dans son enchaînement et le ponctue par un blocage en position basse. Après les enchaînements sur place, Anthony démontre des techniques d'enchaînement avec déplacement. Les techniques les plus basiques s'effectuent avec un déplacement classique en position basse. La technique du spin avant s'effectue ici en série. Il est important d'apprendre à maîtriser et à stabiliser le mouvement de rotation. Anthony montre ici un enchaînement de coups de poing et de blocage classique qu'il va compliquer. Plus on va progresser, plus les enchaînements devront être complexes. Il ajoute un changement de jambe dans sa combinaison de coups de poing. Pour finir, il effectue un spin après le changement de jambe et ponctue par un dernier coup de poing. La combinaison suivante débute par un spin et se conclut par un blocage avec le tranchant de la main. Anthony démontre l'enchaînement au ralenti afin de détailler chaque mouvement. Puis il accélère. Maintenant, nous allons aborder le travail avec des armes. Anthony démontre les enchaînements avec des kamas. Les frappes sont tout d'abord basiques. Les frappes et les blocages sont proches du travail à main nue. Les répétitions sont également les mêmes. L'arme est le prolongement de la main. Le kama est une arme de frappe directe et la plupart des attaques sont circulaires.
On retrouve également les mêmes déplacements par rotation que nous avons étudiés précédemment. Le travail artistique insiste sur l'esthétisme de chaque technique. Anthony donne donc de l'amplitude à chaque mouvement. Il ne frappe pas aussi directement qu'il ne le ferait dans un travail traditionnel. D'autres particularités du travail de kata artistique sont les enchaînements de rotation de l'arme avec le poignet. Cette rotation s'effectue ici vers l'extérieur, avant la frappe. Can you explain what a combo is? Peux-tu expliquer ce qu'est un combo? Un combo est un enchaînement de techniques effectuées sans temps d'arrêt. Une technique simple sera un front kick, un combo sera un front kick enchaîné avec un jump front ou un split kick. Anthony démontre ici le combo Axe to 720 Double. Il s'agit d'un coup de pied marteau, suivi d'un coup de pied sauté retourné avec deux tours et une frappe dans chaque rotation.
L'enchaînement suivant est un coup de pied marteau, suivi d'un sauté retourné enchaîné par un 720. Cet enchaînement s'appelle Axe to 360 to 720. La technique suivante est un coup de pied isolé. Il s'agit d'un double leg split, un écart de jambe effectué lors de la rotation du double leg. Ce combo s'appelle 360 to double leg. Il s'agit d'un double leg en percussion derrière un sauté retourné. Cette technique s'appelle Alabama Twist. Il s'agit littéralement d'un axe kick retourné enchaîné avec un raise sans reposer la jambe au sol. Anthony enchaîne un coup de pied retourné avec un illusion twist, avec réception au grand écart latéral. Ce combo s'appelle Will to Illusion to Split. Cet enchaînement est souvent utilisé en conclusion de programme. L'enchaînement suivant est assez complexe. Il s'agit d'un wheel to illusion twist, to jump front, to wheel, to aerial, to aerial. Anthony effectue un coup de pied retourné suivi d'un illusion twist, percuté en coup de pied sauté de face. Il se sert de cet élan pour faire un second coup de pied retourné enchaîné par deux roues sans les mains.
Le combo s'appelle 720 to raise to flash twist. Anthony effectue un 720 et change ses appuis pour enchaîner avec un raise. Cette technique de position est parfaite pour faire un flash kick. Cette technique est un split kick to split. Il s'agit d'un saut en grand écart facial avec réception en grand écart latéral. Anthony précède cette technique d'un front kick pour prendre de l'élan. Le combo suivant semble plus simple. Il s'agit d'un butterfly twist ou flash kick. La difficulté réside dans la prise d'appui entre les deux techniques, car il est difficile de se positionner pour un flash kick après une vrille horizontale. Anthony effectue un tornado avec deux frappes successives enchaînées par un side swipe. Le side swipe est un 540, le corps penché à 45 degrés vers le bas. Ce combo s'appelle front kick to split kick to flash kick to twist to split. Cet enchaînement complexe varie les types de techniques et les angles de frappe. Il peut également être utilisé en fin de programme. Anthony se rétablit naturellement en keep-up. Le 720 to jackknife est un combo où l'on enchaîne des rotations verticales. Le jackknife est difficile à enchaîner car il faut frapper avec la première jambe avant d'enchaîner la deuxième rotation.
Anthony enchaîne un sauté retourné avec un coup de pied retourné suivi d'un court screw kick. Il s'agit d'une technique également appelée 540 twist. Anthony lance une jambe et effectue une vrille complète autour de cet axe. Ce combo peut sembler simple, car Anthony enchaîne avec deux simples 540, mais il est très difficile à réaliser car la prise d'appui s'effectue sur la jambe de frappe. Il faut une grande tonicité musculaire pour pouvoir refrapper avec la jambe sur laquelle on vient de se réceptionner. Cette technique s'appelle 360 Twisting Kick. Il s'agit d'un coup de pied piqué vers l'extérieur lors d'une rotation vers l'intérieur. Anthony enchaîne maintenant le 360 Twisting Kick avec un 940, réception à genoux appelée 540 to the knee. Ce combo est également utilisé en fin de programme. Ce combo est original et caractéristique du style d'Anthony Atkins. Il enchaîne une roulade avec un saut de l'ange, suivi d'un jump front kick. Anthony démontre ici un enchaînement plus basique, un coup de pied retourné, wheel kick, suivi d'une roue sans les mains, sans reprise d'élan. Ce combo original est un twisting kick to 360 twisting kick. Anthony ajoute un twisting kick sauté en se servant de l'élan de la première technique.
Cet enchaînement est un front kick suivi d'un split kick percuté en triple kick, ponctué par un 540 split. Il amorce un enchaînement que l'on trouve en fin de programme. Les prises d'appui sont difficiles à maîtriser. Ha!
Essai, c'est un essai. On bouge. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, toute la semaine, je suis malade, je suis fait la mort le jour de l'an. Je te dis, je suis resté en débardeur moins 15 heures. Ah, faut être con pour faire ça. J'étais bourré. Ah. J'avais chaud, mais. Comme d'habitude. Non. Bonjour. Salut, ça va? Ça va et toi? Oui, impeccable, bonne humeur. Ça fait plaisir. Voilà. Il va voir ça, il va halluciner. Le président, ça marche bien. Hein. Ça va? Bien toi? Il est au bronzage. Il est à la montagne. Puis il est pas à 6h du mat non plus quoi. J'ai fait des tels, j'ai regardé, ça bouge pas. C'est chiant. Au début, j'étais un peu fou. Ouais. Le temps de faire. Ça, c'est que moi, si jamais je panote, je suis penché. D'accord. Donc je peux pas. C'est pour ça là, je vais lui demander s'il peut se placer bien et puis. Alors, comment vous trouvez ces reportages, ces tournages? Très bien. Très froid, très surtout. Froid, hein, et puis je vous ai marché sur les pieds, là. Ici, quoi. Ouais. Bah, je vais mettre là, plutôt, là. Qui c'est qui a le zoom le plus loin? Je sais pas. Je pense que c'est moi ou... Où est-ce qu'il va le faire, là? Ah, sur le plat. Ouais, on a marre de plat, tu viens d'avoir la marre de plat quoi. Bah là au milieu, moi je vais faire. Au milieu là. Ouais. Ouais. Non, là. I was right at the end too. Last move. Yeah, last move. Risk doesn't work. I look okay? Yeah, very good. Yeah, very clean. No problem. The very area was fast for the back tip too. Ouais. Ça caille. Ça caille. C'est con de faire ça en hiver. Hein. Ouais, mais enfin bon, c'est le risque du métier. Ah oui. Après tout, hein, si on veut faire de la qualité, ah, oui. Savoir faire au péril de sa personne. Ouais, moi je voulais le faire mais partout. Non. Plus blond mais partout. Moi j'aime. Plus blond ouais mais pas partout. Pas blond platine. Hein, tournage à la Luc Besson. Partout à la Luc Besson. À la Luc Besson. Ah ouais, il y a plutôt Luc Besson. Cinquième élément. Oh yeah! Hit shot if you're there. Voilà. Nikita, you know Nikita? Nikita? Who's that?
Ouais, mais fais gaffe, il y a une version américaine, Nikita. Il y a une version américaine. Laugh film, Nikita. C'est un plan de merde que je suis en train de faire. Assassin or something? Yes. Oh yeah. But there's an American version. Better. Yeah. Yeah, they have an American La Femme Nikita. Yeah. Oh yeah, they have a TV show in the United States. Yes, but the movie? Yeah. No. No? That's the TV. Attention, je vais bouger. Bonjour. Bonjour. Tu avais prévu une vingtaine. Ouais, ouais, ouais. Au début c'était 40, mais ouais, vous ouais, mais on a pu rien garder que les baisses. Ça va tuer. Non, il n'y a pas de problème. Le truc, c'est au niveau des points que je ne sais pas trop si et... Non, non, c'est clair. Ouais. Mais là, quelques ouais. enchaînements ici. Ouais, en Kama, ouais. En Kama, c'est ça, clair. Et quelques trucs de stretching un peu. Tu sais, sur la barrière, je pensais tout con. Ouais. Tu sais, les trucs qui lèvent la jambe. Ouais. Et, du like. Tu vois, des trucs. But y'all should see the video with Pascal showing people how to be a bitch. Oh, did you? Oh, well, I didn't say those words. Vous êtes le meilleur peuple. Yeah. Good video. Good video. Yes, oui. Et pour lui? And for you? For you? Très fort. Très fort. Non, very good. Very professional. I want to make this tape sell as much as the other one. Qu'est-ce qu'il a dit? Say again. I want to make this tape sell as much as the other one. Ok, j'espère que celle-là se vendra encore mieux que la précédente. Hello, bonne journée. Au revoir. Ok. On y va? Ok. Ah ok. This is so hard. Les frites. Les frites. Yes. Ok. Et coca. Ok. Ah, si. Frites. Donc c'est croque monsieur. I'm country. I'm from Alabama. Croque monsieur. Croque monsieur. Ouais. Et un coca. Avec les frites. Et coca. 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 You and dog style. I would be You're rubbish. Not eating? No, it's no. Too fat. Tu vois, je m'appelle Hans. It's nothing there. Sex. Ah. It's very good. On attend un hier ou quoi? Non.
Non, on commence sans lui, de toute façon, on a besoin de lui. Il sait ce qu'il a à faire. Non. Hardest cakes first. On y va. C'est bon. L'avion, on se tombe dessus. Répondeur. Vas-y, je le tiens. Ok. Vas-y, on se... On a des euros, nous. Ah, il y a 25 balles dans la machine. Bah, tu fais récupérer, t'appuies sur le truc pour animer. Taking pictures. Black man sweat. Hard. Jumping off on one leg. You haven't had any sleep. Sleep. Y'all didn't get that on videotape, did you? How can I fall on a corkscrew? You, I can take out. On y va ? Action ! Moteur, ça tourne, action ! Putain, un truc de ouf, fais gaffe, la caméra, tu sais très bien que tu te contrôles pas. Black man sweat. A drunk karate instructor, alright. Now, what you do?